Catastrophe in the villa, ok. La vidéo que vous allez entendre, qui va être sur le point de commencer, je suis en train de la monter. Et c'est la cata parce qu'il y avait beaucoup de vent. Donc si vous regardez avec un home cinéma, des écouteurs ou quoi, baissez un peu le volume pour pas vous rendre sourde, mes chéris. Et puis voilà, sinon amusez-vous bien, il y aura beaucoup de vent. La qualité du son est dégueulasse, mais je vous invite à poursuivre. Voilà. À tout de suite. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous recevoir ici dans cette gigantesque station Fastned. Je vais vous la montrer. C'est la plus grosse qu'ils ont jamais faite encore. Je dis encore, et ce pour pas longtemps, parce qu'ils ont prévu de faire un truc gigantesque en Belgique très très bientôt avec un resto, etc. Mais pour le moment, on a la plus grosse qu'ils ont jamais construite. Elle est magnifique, je vais vous montrer. Il y a énormément de puissance délivrée ici parce qu'il y a 16 points de charge à 300 kW et je crois de mémoire 2 points de charge à 50. C'est gigantesque, c'est abrité, je vais vous montrer en image et je vais vous montrer aussi que je vais payer une charge pour la première fois depuis extrêmement longtemps parce que j'ai encore les superchargeurs. Donc je vais payer une charge. La première, il faut s'identifier, mais une fois que vous avez un compte sur la deuxième, et troisième et toutes les autres charges, il n'y a plus besoin de s'identifier. C'est comme chez Tesla, ça fonctionne de manière hyper intuitive. Donc je vais vous montrer ça sur l'app, je vais vous présenter un petit peu la station et je suis content qu'elle soit enfin arrivée. Ici c'est un axe énorme, c'est l'A31 en direction du Luxembourg ou du Luxembourg en direction de l'autoroute du Soleil. Donc il faut savoir que la Belgique et les Pays-Bas passent automatiquement par là quand ils veulent rejoindre le sud de la France. C'est un axe qui quotidiennement voit passer quasiment 300 000 véhicules. Donc on comprend l'intérêt économique qu'il y a pour une marque comme Fastned de s'installer sur des très gros axes comme ça avec une forte demande. Et voilà, il faut savoir que aussi Fastned, c'est une marque très forte pour les Pays-Bas puisque à ma connaissance, après Tesla, c'est le deuxième réseau de charge du pays avec je ne sais plus combien de charges lancées pour l'année dernière, mais c'est colossal. Donc, ils ont comme ça une puissance pour s'installer qui est assez phénoménale et ils ont un univers qui leur est complètement, qu'ils ont complètement créé. Ils ont une vraie image de marque. C'est les seuls en plus, même avec Tesla qui ne le fait pas, à nous couvrir. Ouais, je vais vous montrer le préau, c'est splendide. Belle vue d'ensemble de la station. Alors, il faut savoir qu'il y a déjà des bornes ici comme ça. Voilà, là, sur certaines bornes, hein, pas toutes, notamment celle-là et l'autre là-haut. Vous avez donc un Porsche à démo, un AC qui va jusqu'à 42 kW. Donc ça, c'est pour les Zoé notamment, le chat démo pour les Leaf. Et vous avez quand même à chaque fois deux CCS. Les autres sont plus simples, elles comportent que deux ports CCS 300 kW. Vous voyez qu'il y a Valérie qui est juste ici. Donc comme je vous disais, on a un beau préau qui va tout le long, qui est rempli de panneaux solaires, mais qui laisse quand même passer la lumière. Et vous avez comme ça, c'est magnifique, hein. C'est du bois en fait, c'est sublime. Moi je trouve que c'est absolument sublime. Il y a des bancs. Dans certaines stations, j'ai vu aussi des distributeurs automatiques. Alors là, on a une station qui est vieillissante, mais qui sera sûrement mise à jour, qui est juste derrière. Mais juste le fait d'avoir des bancs, un préau, je veux dire, c'est incroyable. Des très bonnes bornes, je crois que c'est Ultratronic, Alpatronic, j'oublie toujours le prénom. Mais si on regarde l'étiquette, whoop, hop, je sais, voilà, Alpitronic. Voilà, magnifique. Enfin, moi, je suis conquis, hein, j'adore cette marque. J'aime beaucoup, beaucoup Fastned parce qu'ils ont un univers qui est complet. C'est très, très beau, très bien designé. Regardez ça, c'est absolument magnifique, quoi. Absolument magnifique. C'est incroyable. Et regardez ces bornes, quoi. C'est des véritables hubs de charge, quoi. Avec un indicateur très clair, c'est très simple. Et comme je vous dis, hein, il faut s'enregistrer une fois seulement avec leur application. Et ensuite, vous avez l'auto-charge. Donc, la charge se met automatiquement.
Vous voyez, c'est aussi simple d'utilisation. Il y a un bel écran qui vous explique. Ok, bon. Donc, il y a un bel écran qui vous explique comment ça fonctionne. Ils font une empreinte de 40€ si vous voulez payer par carte. Ça, c'est très demandé, donc c'est très, très bien. Et sinon, c'est 59 centimes par kilowattheure, voilà. Et puis, c'est tout, quoi. 16 punaises de énormes bornes de charge, quoi. Incroyable. Et franchement, regardez, c'est juste sublime. Ah, moi, je suis complètement conquis par ce truc-là. Alors, je ne peux pas démarrer la charge en même temps que je filme parce que je n'ai que l'iPhone. Ce que je vais faire, c'est que je vais la démarrer et que vous allez voir l'incrustation à côté. Donc là, je n'ai encore jamais chargé sur le réseau Fastned avec Valérie. Je l'avais fait avec Vanessa, mais ce n'est pas le même véhicule. Donc, l'autocharge ne va pas fonctionner. Donc, je vais devoir faire une première charge qui activera l'autocharge pour les prochaines fois. Et on va charger. J'ai bien préconditionné la batterie et je suis à seulement 20 et quelques pourcents. 30%. Donc voilà, j'avais mis le super chargeur de Metz qui est pas très loin. C'est parti mon kiki, ce mardi. Donc là, je peux quand même faire ça avec vous. Mais peut-être qu'il a encore enregistré l'autocharge depuis tout le temps, on va voir. Voilà, à une main, c'est pas évident. C'est un petit peu lourd. Non, effectivement, je pense que c'est propre au véhicule. Donc, c'est parti, je vais ouvrir l'app et je vais vous mettre ça en incrustation. Bon bah, cette vidéo est à la fois en studio, à la fois en live, parce que je ne retrouve pas la partie que j'ai filmée où j'étais censé vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, vous démarrez en fait la charge depuis l'application Fastned, qui est hyper facile d'utilisation. Alors là, je vais pouvoir vous mettre l'incrustation maintenant. Effectivement, quand j'essayais de démarrer la charge depuis l'iPhone, ça fonctionnait pas. Ça mettait que le compte avait été bloqué par Fastned. En fait, j'ai compris plus tard que j'avais un impayé d'une autre charge parce que c'était une vieille carte bancaire qui était affilié au compte et j'avais pu, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu démarrer la charge, mais comme ça ne fonctionnait pas, ils vous mettent en fait directement le numéro du service client que j'ai appelé et le mec m'a dit bon, j'ai pas accès au compte mais je peux vous démarrer la charge, et donc il m'a très gentiment démarré la charge. Et là donc vous allez reprendre la suite de la vidéo où je vous montre les puissances que j'ai obtenues et on fait un peu le tour des infos. Mais voilà, mon compte était bloqué dû à un impayé de ma faute visiblement. J'avais pas mis à jour ma carte bancaire. Mais sinon c'est très simple. Il suffit de cliquer, en fait l'application vous géolocalise, vous sélectionnez le numéro de la borne, il y a les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, machin. Et puis ensuite ça démarre la charge directement. Et comme je vous expliquais, la première charge, il faut le faire manuellement sur l'app et ensuite elle retient le numéro VIN de votre voiture et donc du coup c'est automatique, elle se démarre après comme une charge sur un superchargeur. Voilà, bon retour à la vidéo, désolé, visiblement c'est quelques mois, j'ai oublié de faire des vidéos mes chéris. Voilà, donc je vous laisse retourner, à tout de suite. 156 kW pour 34% de batterie, ce qui est tout à fait correct. Même si on pourrait aller à bien plus, je pense que la batterie est pas très 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 chaude. J'ai pas eu le temps de faire un préconditionnement fracassé. Alors après, j'ai quand même le sentiment que si j'étais sur un superchargeur, j'irais peut-être un peu plus vite au niveau de la puissance. J'ai remarqué que sur les superchargeurs, je sais pas si c'est peut-être mieux optimisé, mais j'ai tendance à aller quand même beaucoup plus vite en termes de charge. Bon, en tout cas, là, ah bah non, il me dit que voilà, la température est trop froide. Pourtant, j'ai bien roulé, j'ai essayé de préconditionner au max, mais bon, tant pis. En tout cas, ils m'ont démarré la charge, c'est très bien. Je suis un peu saoulé d'avoir un problème de compte, mais bon, ça peut arriver. Je dois contacter le service client directement parce que eux, a priori, le support n'a pas accès au en fait. Okay. En tout cas, ça fonctionne bien. Je sais pas si on a des infos éventuellement. Ouf. Directement sur la borne. Ah oui, ça met. Alors, ça sent le neuf. Hein. Je sens que il y a de la chaleur qui sort ici et ça sent le neuf. C'est rigolo. Voilà, si je clique, j'ai les infos. Elle délivre 140 kilos. Ça a déjà délivré 7 kWh. Ok, c'est très rapide. Et on charge depuis 3 minutes. Voilà, on va laisser charger un petit peu. Je sais pas si la charge sera gratuite ou s'il va l'ajouter à mon compte. En tout cas, voilà. En théorie, c'est beaucoup plus simple que ça. Je pense que j'ai un problème relatif à... je ne sais pas quoi, en fait. En plus, j'ai leur abonnement pour payer le kilowattheure moins cher. J'avais fait une fausse manip et je m'étais abonné. Donc, en théorie, il n'y a pas de problème.
La station n'est pas finie, mais comme vous pouvez le voir, là-haut, il y a des trucs qui pendent, il y a encore des petits trucs un peu partout. Qui m'a dit qu'elle n'était pas encore totalement finalisée. D'ailleurs, il y a encore des bornes qui ne sont pas activées, qui vont l'être prochainement. Et donc, du coup, je ne sais pas trop ce qu'ils vont installer là, parce qu'il y a des câbles qui sortent. Et mon avis, c'est qu'en fait, ils ont prévu déjà de pouvoir rajouter des bornes au milieu. Et c'est pour ça, donc, pour le moment, ils ont mis des bancs. Et il y aura peut-être des bornes dans le futur qui seront ici au milieu, ce qui ne m'étonnerait pas. Et ils ont déjà prévu le câblage. Voilà pour la station Fastned. Comme promis, je fais une charge. J'avais promis de la payer, mais bon, le sort, on a voulu autrement. Je bénéficierai encore d'une charge gratuite aujourd'hui. Bah, merci à eux. Putain, ça va très vite. Hein. Je suis déjà à 43% de batterie. Voilà, sinon rien de plus à dire, quoi. C'est des super produits, ces bornes-là. Et ils ont un très, très bon service de maintenance. En tout cas, si je dois donner de l'argent à un service, moi, ce sera Fastned. Et ça l'a toujours été, je l'ai toujours dit. J'ai déjà fait une charge chez eux aux Pays-Bas. Voilà, ça fonctionne très très bien. Et bon, bah, pour aujourd'hui, il aura fallu qu'on ait un petit problème technique, mais c'est pas un drame. Et le soir, c'est magnifique, c'est tout éclairé en jaune, c'est sublime. Donc voilà, je vous laisse avec quelques petites images de la borne. Merci d'avoir suivi cette petite aventure. Et puis à très vite. Et merci Fastned d'avoir fait de Metz votre fief pour la plus grosse station. Je suis trop content, j'ai la banane. Il y a tellement de bornes ici, mais souvent on nous dit « Oui, pourquoi il y a déjà tellement de bornes qui s'installent encore par chez toi alors que dans le sud ou dans d'autres coins, il n'y en a pas ?» Voilà, je vous ai expliqué, ici, tout le monde passe. L'année dernière, à Unity, il y avait 3 heures d'attente. Les superchargeurs étaient blindés parce qu'il y a tellement de voitures électriques qui descendent. Donc, cet été, je m'attends à ce qu'ici, ce soit particulièrement rempli. Et je suis vraiment très, très content que Fastned se soit installé ici. C'est tellement beau. Mais regardez, c'est tellement beau. Voilà, un gros bisou à tous. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo et à très vite. Tellement vite, hein. En 16 minutes, je suis déjà à 73%. C'est dingue. Waouh. Cette Tesla Model 3, elle déchire chez Rocks. You rocks. Ooh, baby, you rocks.